Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la Woofbox. Vous entendez les loulous là? Ils sont là. Ils sont là, donc c'est Lucky et Anakin. Et si vous pouvez voir ici là, on a Mina. Salut Mina. Je vous la montrer. C'est la petite dernière de la maison. Wow. Dis bonjour internet. Bonjour. Elle a pas envie. Donc elle est toute petite, elle a 2 mois. Hein. Voilà, c'est ma petite Mina. Ah, je sais pas si tu veux. Tu veux aller où? Tu veux dodo? Voilà, allez hop. Je vais par terre. Ah, voilà, donc du coup, on se retrouve pour la Woofbox du mois de mai, je pense. Parce qu'on est le 26, je crois. On entend les chiens qui sont complètement. Si vous voyez la caméra bouger, je pense que ça va être normal. J'ai un chien qui est en plein milieu du trépied en fait. Donc, déjà, pour commencer, la box. Voilà. Elle est juste trop belle, elle a changé complètement de design, le packaging est juste trop beau. Pendant un moment je me suis dit c'est pas la Woofbox ça, c'est une erreur. Mais non non, c'est bien la Woofbox. Donc ils ont mis un joli bleu clair. Voilà, c'est très sobre, c'est excellent, c'est voilà. Box made with love, avec le fameux dessin qui est encore derrière. Des petites vagues, voilà. Je sais pas si vous me voyez bien, j'ai l'impression de... Ouh, salut. J'ai l'impression d'être dans le noir, je sais pas pourquoi. Et on a la petite pâte Woofbox. Voilà, il n'y a plus du tout Woofbox de marqué dessus. C'est trop bien. Très 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 joli, très joli. J'ai le chaton qui fait des conneries. Voilà, ça commence. Voilà, hein, fallait s'en douter. On ne peut pas s'empêcher d'aller dans les cartons et aller dans les câbles. Voilà, donc on commence. Donc du coup, il y a Nana qui est là, Anakin. Et il y a Lucky qui est ici. Je ne sais pas s'il est assez grand. Il est là, mais il n'est pas assez grand. Donc on ouvre ça. Hop. Alors déjà ça s'ouvre pas pareil. Voilà, ça s'ouvre comme ça. À moins que je la tienne à l'envers, ce qui est possible. Voilà, donc elle est de ce sens là du coup. Voilà, elle est de ce sens là. Ok. Hop. Alors, oh, il y a des belles choses. Donc le Woof Mag. Voilà, donc il n'y a que les photos, il n'y a plus de menu derrière, on lira ça après. Waouh! Mais le truc, le paquet il est énorme quoi. Donc on commence avec un énorme paquet de popcorn pour chien. C'est juste trop bien, je savais même pas que ça existait pour chien. Alors c'est pas du tout en français, c'est. Je sais. Ouais, il n'y a pas du tout de français dessus. Je sais pas. Ils sont déjà faits? Je pense qu'ils sont déjà faits les popcorn, il ne faut pas les mettre à cuire. Alors je ne savais pas du tout, c'est allemand, c'est marqué qu'en allemand. C'est la première fois que je vois ça pour chien. J'ai vu des tablettes de chocolat avec où ils ont retiré la fameuse toxine là qui ne digère pas. Donc ça, oh oui, ça ressemble pas du tout à des popcorn. Ça ressemble à une sorte de... Ça sent rien du tout. Voilà, alors hop, on fait goûter à Lucky. Et Anakin. Wow, ça sent le fromage, non? Ça a quoi? Quand ils ont mâché, ça a senti super fort. Je sais pas du tout à quoi c'est. Alors là, c'est en allemand. Alors là, ça sent rien. Ça sent... Alors, en anglais. Je sais pas. Je peux pas vous dire parce que ça sent rien. Tu veux en goûter? Vous aimez bien, hein. Je sais pas à quoi c'est, mais t'aimes bien. Hein. Vous aimez bien. Ok, premier article, des popcorn pour chien. Franchement, ça c'est original. Pour le coup, c'est bien la première fois que je vois ça. Voici ensuite. Deuxième friandise. On a des bouts de poulet. Pareil, c'est que de l'anglais. Voilà, c'est un sachet, voilà, comme ceci. Ça quoi? Bah, c'est le poulet, du coup, je l'ai dit. Oui. Il y a Mina qui joue dans un carton, c'est... Voilà. Mina, qu'est-ce que tu fais, puce? Tu te grattes. Oh, elle se gratte. J'arrive pas à ouvrir le paquet. J'ai coupé ça n'importe comment, quoi. Hop. Les chiens, ils attendent que ça. Ah, Nana, arrête de faire bouger la caméra. Donc ça ressemble à ça. Wow, ça sent le... On dirait le saucisson au poulet. C'est exactement ça l'odeur. Donc voici.
Voilà, ça c'est fin. C'est en forme de cœur, c'est mignon. Oh, c'est ça, c'est du saucisson de poulet en fait. Ça ressemble exactement pareil. C'est. Mais tu dégustes pas là, tu manges comme ça, t'avales toi. Non, c'est bon. Donc voici, on va dire du saucisson au poulet. C'est exactement ça l'odeur. Moi, ça me fait penser directement à ça. Voici. Ensuite, on a quoi? C'est quoi? Oh, un collier, trop bien! Alors là, pour le coup, c'est bien. J'ai la caméra qui bouge, excusez-moi, problème technique. Ça, c'est ça, tu mets avec des chiens, hein, c'est que. Voilà! Donc, on a un collier. Keep calm. Calm and have a walk. C'est excellent. Donc c'est un collier médium large. Donc je pense que mes chiens ça va être bon. Je retire les petits. Anaki n'en a déjà un. C'est marqué qui promène qui. Ça me fait marrer. Bon, le qui le maître il va pas mettre de collier. Mais un jour il va falloir. Hein. Alors est-ce que ça te va à ton cou toi? Bon, toi faut te mettre au max hein, vu la grosseur que tu fais. Je sais pas du tout. alors. Ah c'est un peu serré encore. Et là, je suis à fond là. Là, je crois que je suis à fond. Hein. Il ne doit pas y avoir grand chose encore. Mais l'histoire des colliers, c'est très bien. Il montre plus qu'un harnais. Mais le harnais prendrait toute la boxe avec le pire. Il est tellement gros que. Il est tellement énorme ce chien. Ah, on peut encore grandir. Ah, attendez. On va peut-être pouvoir y arriver. Il y a le qui. Eh, impeccable. C'est impeccable. Ça lui va impeccablement bien. J'ai enfin un collier qui va à mon chien. Lui. C'est impeccable. Oh bah t'es beau comme ça mon loulou. Alors énorme point, ça c'est très bien. Plus d'accessoires comme ça, ça sera encore mieux. Tout ce qui est collier, ah, oh, oh ça y est, quand t'es nu, ouais. Tout ce qui est collier, harnais, les gamelles d'eau, les tout. Moi je trouve ça trop pratique. Un truc que je me sers beaucoup, qui a été donné il y a pas longtemps, c'est, bah, c'est bizarre hein, mais c'était les recharges de sacs à crottes là, les sacs poubelles pour les crottes là. Je m'en sers pour Mina, moi. Je m'en sers pour mon chat, voilà. Je récupère ce qu'elle fait. Hop, je mets dans le sac. Ça permet de pas trop changer la litière. Juste à mettre un peu d'appoint. Elle dort sur le... Elle est trop mimi. Elle dort sur un carton dans le bazar, là. Ça va, Mina? Oh, pas plus de dos. C'est bon, on a plus de chat. Voilà. Et du coup, et pour une fois, on a trois jouets. C'est très bien. Par contre, ils ont l'air hyper solides. Je dis ça comme ça à première vue. Hein. Donc, on commence par un Borly jouet à mâcher très résistant. Très bien. Bon point. Bon point, ça y est, vous avez compris que vos jouets tenaient pas. C'est très très bien. Bah, mettez les jouets en fonction de la carrure du chien. Quand on s'inscrit, on demande la corpulence du chien, si c'est un médium, un adulte, etc. Et là, vous avez enfin compris, vous boxez bien, que vos jouets n'étaient pas hyper résistants. Donc c'est très bien. J'essaye de retirer le petit colson là. Voilà. Voici. Donc on a une sorte de bâtonnet corde. Ok. Ça a l'air de tenir. Avec un plastique extrêmement dur, j'arrive même pas à le plier. C'est pour vous dire très résistant en effet. Ok, donc ça c'est un bon point, je pense que ça va tenir déjà plus longtemps. La corde, non, elle va peut-être s'effilocher à la fin. Mais déjà le milieu là, ça va tenir. Normalement, on ne devrait pas y avoir de soucis. Hein. Voici. Je vais voir si je peux les filmer avec le jouet. Pour voir. Ok, deuxième jouet. On a une sorte de monstre bizarroïde avec trois yeux et trois papattes. Oh là. C'est quoi qu'il y a dedans? Oh là là, c'est de la watt. Bon, espérance de vie, 2 minutes. Qui dit watt? Ah, il y a Queen Queen. Ah bah oui, 2 minutes, 10 secondes. Voilà. Voilà, donc je retire l'étiquette maintenant. Donc oui, c'est un petit montre sans patoche. Voilà, c'est sympa. Mais je sais que ça va pas tenir avec les miens.
Voilà, donc ça c'est le genre de jouet, voilà. C'est bien pour les petits chiens ça. Ou qui tirent pas comme les miens. Voilà. Alors là il y a Queen Queen, de la Watt, et en plus ça là, le jouet il fait 2 secondes. C'est ça, c'est dire. Et après c'est peut-être pas tous les chiens comme ça, mais les miens c'est sûr, c'est ça, je les connais maintenant. Pet Brown, ça te dit quelque chose cette marque là? Qu'est-ce que t'as Minette? Elle mange le carton. Qu'est-ce que t'as ma puce? Ah non, tu t'en vas? Bon bah va-t'en alors. Ok, et du coup, dernier article. Nous avons truc pour les marins là. Ah, je suis en train de chercher pour conduire là. Ici, là. Ça ressemble à ça, un volant. On va dire ça. Un volant en corde. Je retire ça. Avec une balle au milieu. Ça, je sais pas. J'avoue qu'au niveau. Ah, ouais. Ça dépend comment c'est foutu. La balle, je sais que non. C'est le premier truc qui va attaquer. Ça va s'en aller. Ça dépend comment c'est foutu après, parce que j'ai vu que là, par rapport à la corde, c'est juste enroulé dans quelque chose de assez dur. Donc s'ils arrivent à péter la balle et qu'au milieu, c'est quoi? Ça va être un nœud ou un truc comme ça. Donc s'ils arrivent à péter la corde, à partir de ce moment-là, tout va se dérouler. Et il va rester que le truc au milieu. Et je sais absolument pas le qui. Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? J'explique un truc. Oui, t'auras ton jouet après. Et du coup, je sais pas ce qu'il y a au milieu. Si c'est un truc en plastique. Ah non, c'est encore de la corde. Ah, oh, ça va peut-être tenir alors. J'ai l'impression que c'est encore de la corde. Bon, à voir. Cet article-là, ça va voir. Au niveau de la résistance, hein, je parle. Parce que sinon, c'est très bien. C'est un gros jouet. Voilà, ils prennent. Avec une balle. Sans corde, hein. Ça tient toujours mieux, mais. Ils arrivent à casser la corde, ils sont malins. Hein. Donc voici le dernier article. Voilà. Ensuite. J'arrive pas à replier la box. Voilà. Là, vous avez des bons points, vos box là. Vous avez des très bons points. C'est très très bien. Voilà. Et du coup, en dernier, voici. Hop. Je m'en rapproche là, comme d'habitude. Alors je sais pas si ça vous préférez que je vous montre juste comme ça, voilà, en ouvrant, ou comme avant. Je scanne en fait et puis je vous montre les images en, on va dire, en meilleure qualité. Donc voici le Wouf Mag du mois de mai. Derrière, bon bah il n'y a toujours pas de menu. Hein. C'est quand vous allez remettre le menu s'il vous plaît? Parce qu'il y a des articles, voilà. C'est un exemple, ça se trouve il est dedans, hein. j'ai pas ouvert encore. Par exemple, ça c'est marqué en allemand. J'en ai aucune idée à quoi c'est. Pareil au niveau de la composition, comme c'est pas en français, bah, je le vois pas en français. Non, c'est pas en français. Si mon chien est allergique à quelque chose, bah, je le verrai pas. C'est pour ça que j'espère qu'il est au moins en une page comme ça dans le. C'est peut-être le point négatif. C'est pour ça ils auraient mis derrière comme avant popcorn pour chien, eau à tel. Voilà. J'aurais pu deviner si c'était bon pour mon chien ou pas. Je parle au niveau des allergies, hein. Mais il faut pas d'allergies les miens, mais c'est pour ceux qui ont des chiens assez fragiles. Voilà, après, bon, c'est comme ça, hein. Ok, alors, oh, ils sont mignons. Alors, on nous parle d'un petit Gizmo, qui est d'appeler son chien Gizmo. Gizmo, caca, ouais, c'est connu, hein. Ok, ensuite... Un dossier sur à chacun son toutou par Sandrine Pearson, je vais pas dire de bêtises, voici la dame. Donc c'est un article, voilà. Ensuite, un témoignage, Justine, photographe bénévole pour l'association Agir pour eux. Donc c'est une association pour les chiens, je suppose, hein. C'est logique. Je sais pas du tout à quoi. Après, faut lire, mais alors si je vous fais des scans et que vous voulez lire, normalement c'est quand je scanne, c'est assez bonne qualité, vous pouvez lire. Vous mettez pause, vous lisez, vous prenez votre temps et puis hop, on reprend la lecture après, c'est pas très grave. Hop, voici. Ensuite, un DIY, la balle en corde surprise, ok. Réaliser un nœud point de singe à ta... Un point de singe. Point de singe. Oh, j'arrive pas à causer. Oh là là. Ok.
C'est juste pour faire un... Ça peut être bien pour les miens. Pour faire... Ah ouais! En fait, c'est un système de nœuds où on peut mettre des friandises dedans. Ça permet de faire un gond en fait en corde. Alors, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la balle surprise. Ok, c'est intéressant, oui, c'est... Oui, pourquoi pas. Ensuite, Neville et Charlie, des dog modèles au choix. Ok, donc là nous avons des modèles de chiens. Je sais pas si vous... Bon, de toute façon, je fais des scans, donc voilà. Les croquettes Sam et Lily. Alors, ah, un truc pour vous. Bon, moi, c'est mon papa qui prend les croquettes Sam et Lily pour son chien. Bah, c'est du coup pour son... le chien de mon père. C'est le frère d'Anakin, c'est compliqué. Du coup, il a les Sam et Lily et il les adore. Voilà, il les digère très bien. Voilà, c'est des points de croquettes. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà. Alors, du coup, les croquettes Sam et Lily. Donc, ce sont les croquettes élaborées par des vétérinaires, par Wolfbox, du coup. Si j'ai bien pigé le truc. Voilà. En gros, ils refont de la pub, le début d'un succès. Bah oui, parce que ça marche bien. Hein. Le poulet saumon, voilà. Donc, il y a plusieurs goûts en plus. Et là, il y a un bon plan. Donc, je vais vous mettre le code promo si vous voulez essayer pour votre chien les croquettes Sam et Lily. Donc du coup, retrouvez la gamme Sam et Lily sur la page croquettes du site Wolfbox, donc c'est bien les croquettes de chez Wolfbox, et bénéficiez de 10€ de réduction sur votre prochaine commande avec le code CH31312SL. Voilà, donc comme ça, hop, c'est cadeau, 10€ de réduction, vous avez un petit code, voici, une gourmandise qui plaît, d'accord. On nous parle de friandises. Alors ça, c'est un truc que je ne piche pas. On nous parle de friandises au luxe. Je connais cette marque-là. J'ai quasiment... Quand j'ai eu Mina, je suis allée à une jardinerie, ils avaient que ça, Zolux. Et c'est très bien, ça m'a... c'est de la bonne qualité. J'ai acheté les griffoirs et tout ça. Donc Zolux. Voilà. Mais là, ce que je piche pas, ils nous font de la pub pour Zolux, bien. Mais on n'a pas les friandises qu'il y a dedans. Donc pour dire notre avis, voilà. C'est juste de la publicité. Hein. Ensuite, on nous fait de la publicité pour Burly, un jouet à mâcher. Donc pour ça. Voilà. Le Dalmatien, un adorable sportif, un poil têtu. Voilà, donc on nous parle de la race du Dalmatien. Et voici. Et les petites photos. Voilà. Et bien ce sera tout pour cette vidéo, je pense filmer mes chiens avec les jouets, je sais pas encore, ça dépend comment ils sont, ils sont complètement exténués là, je sais pas ce qu'ils ont. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce bleu pour ce genre de vidéo continue. Je crois, j'hésite, dites-le moi, à prendre la Miao Box du coup pour Mina. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vous intéresse de voir chien et chat? Ou pas du tout, c'est comme vous voulez. Du coup, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Twitter, Facebook. Et bah, vous abonner à la chaîne, du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !